Bonjour Louis Bonjour Jean-Luc. et merci, j'irai de participer à la loterie World Crypt. Alors tu es basé à Monaco et tu es fondateur de la société Altores. Et voilà, donc ben, l'objectif, j'irai de ce petit live, eh bien c'est d'en savoir un petit peu plus sur le lot que tu proposes aux personnes qui vont avoir la chance de gagner ces lots. Alors la loterie World Crypt est dédiée au monde du Web3 et de l'IA. Et c'est très sympathique de ta part de pouvoir faire gagner des lots. Et ce que je te propose, eh bien, c'est en trois temps, eh bien, de présenter Altores et de présenter eh bien, les lots que les personnes vont gagner. Voilà. Bah, écoute, je te laisse la parole. Très bien, merci Jean-Luc. Donc, je m'appelle Louis Leroux. J'ai notamment été certifié dans le domaine financier. Donc, j'ai été certifié par l'AMF, l'AMAF et j'ai fait une certification en comptabilité financière à Harvard. Et donc, l'associé de cette entreprise, de mon entreprise Altores, est lui certifié dans la blockchain et l'intelligence artificielle par MIT. Et donc, tous les deux, on a créé Altores, une jeune start-up incubée récemment à Monaco Tech ce septembre dernier. Donc, Altores, qu'est-ce que c'est? C'est donc une société dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nous, on développe donc une plateforme BIMA, qui est une plateforme d'employés digitaux, qui va permettre d'automatiser un nombre de tâches variées et différentes dans une entreprise. Donc, ça va être automatiser le marketing digital, avec la création de posts et de contenus sur les réseaux sociaux, en pouvant directement les publier à travers notre plateforme. Mais ça va être aussi automatiser l'assistance clientèle de votre site internet avec une petite intelligence artificielle qui connaît tout ce que fait votre entreprise afin que vous puissiez générer beaucoup plus de leads et passer plus de temps en contact avec le client ou développer votre solution. Très bien. Donc, est-ce que cette solution s'adresse à tout le monde ou c'est donc plutôt des community managers? Cette solution, elle s'adresse à tout le monde. Nous, on vise principalement les PME. Donc, c'est des entreprises qui ont moins de ressources que les grandes entreprises, mais qui doivent être aussi compétitifs, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est plus qu'un community manager parce que donc, les premiers produits, ça va être le digital marketing et l'assistance clientèle. Mais par la suite, on est déjà en train de développer donc une automatisation de formulaires pour tout ce qui est administratif, etc., afin de vraiment un peu éliminer toutes les tâches redondantes d'une entreprise, afin que les gens puissent passer le moins de temps devant leur ordinateur, mais vraiment au contact du client, aller chercher des clients, etc. C'est-à-dire se concentrer exactement sur précisément sur leur métier de base qu'en fait. Exactement. Donc, nous, notre solution, elle s'ouvre à tout type d'entreprise, que ce soit un restaurant, une entreprise dans la technologie. Vraiment, tout le monde doit avoir une présence sur Internet, tout le monde doit avoir une assistance clientèle. Donc le produit est facile à prendre en main. C'est ça. Donc, c'est une plateforme où on va poser quelques questions sur votre entreprise, ou alors vous allez uploader directement un document, donc votre business plan, etc. Et ça va permettre de formater donc l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse automatiser toutes ces tâches. Donc, quand vous allez demander, par exemple, moi demain, je suis dans la plateforme, je dis à mon employé digital de marketing, on fait gagner un lot sur Wallcrypt, j'ai simplement à dire ça, et il saura déjà tout le contexte de mon entreprise, ma target exacte, etc., afin de produire le poste adéquat sur LinkedIn, donc avec les codes de LinkedIn, avoir une belle question, des emojis, etc., pour interagir avec la communauté. Mais sur Instagram, il va me créer un post différent, avec une description différente. Je vais pouvoir potentiellement soit uploader mes images ou alors créer une image générée par l'intelligence artificielle. Ah oui, donc c'est très prometteur, ça va faire gagner effectivement énormément de temps, et plus on va lui poser des questions, plus on va lui le renseigner, et plus il va répondre finalement à notre place, parce qu'il va connaître la culture de l'entreprise ou C'est ça. du chef En gros, ce d'entreprise. sera un formulaire. Avant d'utiliser la plateforme, il faudra remplir ce formulaire pour que l'intelligence artificielle ait beaucoup plus de contexte sur l'entreprise.
D'accord. Et donc, alors, je rappelle qu'en fait, la loterie aura lieu donc le samedi 27 janvier, donc à Auxerre. Enfin, le tirage au sort aura lieu le 17 janvier, le 27 janvier à Auxerre, pendant le salon Crypte Auxerre. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y aura effectivement énormément de monde. Tous les passionnés de crypto et d'IA seront là. Et donc, pour les personnes qui vont gagner à fin janvier, ils pourront donc commencer à utiliser le lot que tu fais gagner, c'est-à-dire un abonnement de 6 mois à la plateforme, et vous serez opérationnel, d'après ce que j'ai compris, fin du premier trimestre. C'est bien ça, C'est ça. donc 2 mois après à peu près. C'est Hein? ça. Nous, on peut gagner donc 5 abonnements pendant 6 mois. Donc, l'abonnement, c'est un employé digital. Donc, il faudra choisir soit le marketing digital, soit l'assistance clientèle, parce que ce sera nos deux premiers produits. Et vous aurez accès à ces employés digitaux pendant 6 mois. Donc, une valeur de 894 euros. D'accord. Très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Je te remercie en tout cas de ta participation à la loterie. C'est très très sympathique, j'irai de la part de l'Altores. Qu'on remercie encore, toi et ton associé, on vous remercie infiniment. Et puis, je suis certain que les personnes qui vont gagner vont pleinement l'apprécier, puisque c'est accessible à tous finalement. Exactement. Merci, merci Louis. Et puis, ben, on se retrouve au 27 pour te communiquer la liste des gagnants. Parfait. Merci. Merci À à toi, Jean-Luc. bientôt.